un sport qui est physique. On ne freine pas après le décollage avant de rentrer les roues, parce que si on freine, les freins restent bloqués. Quand on se pose après, les roues sont bloquées et on met le bel avion sur le museau. Merci. À 170-180 km/h à peu près. Maintenant on laisse couler, on arrondit et l'atterrissage est facile sur le Corsair, sur le Mustang, comparé par exemple au Spit, parce qu'il a un train d'atterrissage large, à voie large. Voilà, on met la queue par terre pratiquement dès qu'il a touché. Regardez le disque de l'hélice qui est immense. D'hélice métallique, bien sûr, alors ça fait un gyroscope extraordinaire. Vous pouvez agiter les mains, petit père Urbillo, il sera bien content. Il est déjà tellement content de faire du Mustang qu'il n'endort pas la nuit. Ben, c'était bien, c'était bon. Voilà Urbillo avec un frère de scène, le Mustang de la Clarté. Vous voyez le vélo de Taranatou.
rouler vers le bout de piste pour s'aligner, faire ses checks et décoller. C'était un peu mieux fabriqué que la plus belle des Bentley. Si vous voyez l'intérieur d'un Spitfire. L'esthétique de la moindre pièce. Dans le cockpit, il y a plein de petits boutons en cuir. Il n'y a pas de paralysie. Vous avez vraiment l'impression d'être dans une Bentley d'autrefois. Ici, la guider au sol par vent de travers. À l'atterrissage ou au décollage. Alors que là, maintenant, avec les pistes plus larges que longues, on commence à se rendre compte, quand on fait voler des avions comme ça, qu'ils étaient conçus à une autre.
pneu, il est plus en l'air, non? Voilà donc le plus bel avion du monde, le Vickers Supermarine Spitfire, retour au parking. Alors là, comme il était dit, regardez le côté, ça parle au plus tard, vous avez un petit peu de plus. Philosophie, ce qui est formateur d'aviation.
exprimé parfaitement, robustesse et parent, qui sont d'une simplicité biblique. On a vraiment l'impression qu'ils ont fait ces avions un peu comme on fait une certaine similitude, il faut croire, entre les gens d'Europe un peu centrale et les gens d'Europe un peu de l'Est. Au niveau de leur conception, thank you.
sans poser de problème à faire ce genre de choses, dimanche après dimanche, et même pendant la semaine. C'est un peu l'avion de base pour les associations de collectionneurs qui veulent s'attaquer aux gros, aux méchants, aux métaverlans, aux warbirds, comme on dit. Un chasseur, donc, de la dernière guerre, mais équipé spécialement pour le quartier. On peut se retrouver sur une base en Égypte, un tas de quartiers qui est parti du démolisseur. Et puis, oui, voilà, Frine, lui, il a un ego, il salue, et toujours à chaque passage, il rigole, il salue. Et donc, il y a quand même des téléphones. Bon, ben, là, on fait New York, et aujourd'hui, je vais faire une série de jours à Tapé, je fais New York en anglais. Des ateliers ou de l'usine Drummond, mais qui sortaient des fonderies Drummond, parce que les Drummond étaient des avions solides. On parlait des Drummond Iron Works. Nous avions été déjoués pour ce que nous avions, principalement parce que c'est un peu de temps aujourd'hui, des avions embarqués sur Porto. Drummond a fait aussi le temps de pouvoir assister à la marine américaine. Donc, pas vicieux, pas trop méchant, pas trop exigeant. Oh, le passage qu'il est bon. Oh, et d'autre part, il faut pas trop le faire. Thank you.
Stabis sont tombés tous les deux et ont des bras en sens inverse comme hier, c'était superbe. Voilà une petite présentation en poursuite des deux F4U, Corsair, l'un de deux fonds. Les avions à hélice sont des avions d'un pilotage assez facile, tout est relatif bien évidemment, mais disons qu'un pilote qui fait du TC et donc ils vont chercher les outils. En fait un meeting comme ça, ça devrait d'abord et avant tout être le meeting des mécanos. Les pilotes prennent trop de plaisir à piloter, on devrait donner le nom des mécanos et pas celui des pilotes. Et de plus en plus. Je peux vous dire que celui qui est passé en place arrière derrière Stockholm dans le Mustang marron, dans le train de l'Imane,
Les Mustangs vont tous être plus ou moins transformés en biplace. Derrière le pilote, en enlevant les radios d'origine, en mettant des radios modernes, eh bien, on gagne de quoi mettre un passager. Les pilotes, c'est pas vraiment un endroit agréable, puisque comme celui qui est devant, c'est le plaisir, vous allez avoir votre sac de sable et vous avez trois tours à regardez le piqué d'attaque des trois sacs, c'est beau ça. Et au break, les trois sacs. Les motoplaneurs qui sont en train de tourner paisible. Et sur la droite, là-bas derrière, Stephen Blake. Il y a de l'altitude. L'altitude va se transformer rapidement en vitesse. Vous pouvez saluer Christian Martin, Sarah Bordenberg. Alors, le bruit comme ça, c'est quand même quelque chose. Ça, vous pouvez les tracer sur les avant-bras, les poils. Possiblement, vous entendez là-bas, c'est une des choses les plus fantastiques qu'on peut voir en meeting, mais que ne voit pas de fantastique ici. Ça va crescendo, comme on dit, c'est le Fokker 27 de la force aérienne néerlandaise. Thank you.
sortition du stand de Stephen. C'est bien ça. C'est beau aussi. C'est trop long, délicat. Vous ramenez ce truc là au sol. C'est toujours un peu long, Stephen, avec le stand. Voilà. C'est fait. Laissons rouler, sans freiner. Encore une fois, le Mustang a des freins qui sont pas terribles, qui sont un peu agressifs. On a l'impression qu'on va lécher les freins tout de peu, on va rapporter l'avion et ensuite ils vont une avancée de peuple. Alors le mieux, c'est de s'en servir, comme ça on n'est pas surpris, on va sauver l'avion. Sur l'air, ça se mène d'ailleurs. C'est un avion pas très beau, mais avec un énorme moteur, c'était une grosse bête de guerre. Ça, c'est un avion d'un grand confort. Regardez le dépassement des amortisseurs, c'est une chaleur. Voilà, maintenant il faut se battre pour le tenir en ligne. Petit coup de palonnier à droite à gauche, allez à droite du pied, à gauche du pied, à droite du pied, et toujours à droite, un peu à gauche, toujours à droite. Même à cette vitesse-là, c'est pas gagné, il faut se bagarrer pour tenir l'avion en ligne. Alors vous n'êtes que complètement libre, je sais pas, on est devant 4 jours, le train tellement étroit, le pilote en marche d'un côté, l'autre, il va essayer de vous échapper en bout de tour de banc. Donc il faut être vigilant, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut être complètement bourré de drénaline tout court pour être quelque peu concentré. Regardez comme il est petit, regardez le cockpit comparé au cockpit.